Et salut tout le monde, c'est Souko. Aujourd'hui, en train de specter, en train de regarder la partie de ma team Inertia avec Inertia Climax, avec Akali Middle. Très bon choix, c'est un très très bon choix. Avec Honora, avec Leona en support, c'est aussi un très bon choix. Avec Seviatus qui a pris Garen au top. J'aime pas personnellement, mais c'est aussi un bon choix quand même. Néon avec son Tryndamere. Tryndamere, ça va faire mal, je le sens. Et Gob avec sa Caitlyn magnifique. Sa Caitlyn en carry AD. Et je pense Néon va partir en jungle. En face, nous avons une Katarina middle. Ouais, Nasus jungle. Pourquoi pas, c'est pas mal. Akali MDR. Akali vs Akali. Oh, bah, peut-être pas. Elle va où? Ah, ça, je me pose la question quand même. Ah non, au top. Akali top. Queen. Queen en carry AD. Et je pense un chaîne en... Et ouais, en support. Ça va faire mal. Parce que je verrai pas quelqu'un d'autre en support. Honnêtement. Je vois pas l'emplacement exact des persos en face. À part Queen et Nasus, je suis sûr. Mais le reste... Akali, je sais pas du tout où elle va aller. Katarina, AP aussi, je sais pas où elle va aller. Chaîne, normalement, va au top. Normalement, hein. On sait pas, on verra bien en pleine game. Donc j'attends juste que ça se lance un peu. Hein. Ça va, ils vont quand même prendre cher. Et voilà, ça s'est lancé. Le côté Inertia. Qui commence à s'équiper, qui parle à Leona, ben là, le petit gâteau qui rend 80 PV et 50 de mana. Tous les 10 secondes, le... Ok, d'accord. La balise de... Une minute, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, la balise d'une minute. Et nous allons voir l'emplacement exact. Waouh, waouh, waouh. Ils vont prendre cher au bot. Queen avec Akali au bot. Ça va être super chaud. Kata vs Akali au mid. Et le Nasus, le Nasus. Ah, j'étais en train de me dire que Tryndamere, elle est au top, là. Ça faisait peur, 2 vs 1. Ça va être incroyable. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il y a un jungle. Non, Néon qui choisit le top. Un double top avec Seviatus. D'accord. Ok, moi, pourquoi pas. D'accord, le chêne vs Tryndamere et Garen. Je comprends pas trop. Et là, l'équipe bleue qui s'amuse avec les nouveaux pings. Je sais pas si moi je peux aussi. Non, je peux pas. Non, je peux pas. C'est dommage. J'ai essayé mais ça marche pas. Donc début de game très bizarre, très 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 bizarre. Le Nasus qui jingle qui est là. Ok, qu'est-ce qu'il fout là? Tu devrais pas aller au bleu ou non? Tu toffes le bleu à... Ok, ok. C'est un très beau skin quand même sur la chaîne, il est très très beau. J'aime beaucoup. Et cette Kata, ben... Kata Poufias, hein, Kata Biatch. Skin du pirate, hein, c'est... ça fait Kata pute. Pas dire autrement, c'est vraiment une... je sais pas comment dire, les skins sur les filles, enfin les persos féminins dans League of Legends, ça fait what the fuck, c'est très 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 beau. Donc c'est parti, la game commence. Le Nasus qui se tape son bleu et j'ai l'impression qu'il va louper. Non, il a pris sa buveuse, donc sa buveuse. Ah, premier qui, attention, premier team fight. Non, si 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 si, il s'échappe, il s'échappe et il est parti. Et le faceau éclair de Néon qu'on vient tous de voir, hein, c'est horrible de sa part. Il doit rager, mais de toute façon il chase de trop, je sais pas pourquoi il va toujours chercher. Vous êtes 2 vs 1, je... Voilà. Attention, middle. Middle, ça cherche un peu, ça cherche. Ça creep et ça cherche. Au bot. Ils viennent de remarquer qu'ils ont Akali en support. Ah oui, ça arrive bien. La Caitlyn qui fait un peu chier Akali, qui a perdu de la vie. La Leona qui vient de ward le Bush, ou le Bush, je sais plus comment on dit, non, le Bush, je crois que ça s'appelle. Le Bush, celui-là, pour mieux voir, pour une meilleure visibilité de la map quand même, enfin du bot. Attention, attention, et non, ça, putain, Climax a pris cher quand même, faut dire, hein. Regardez sa vie, beau viva. Ah là 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 là, il doit prendre cher, il va prendre cher quand même. Attention, premier sang de la part de Kata.
2 Akali plutôt, 2 Akali premier sang. J'ai pas pu voir l'action, on va juste voir l'action, on va juste remettre un peu en arrière. Et on relance. Non, c'était déjà fait, donc on va reculer encore un peu. Non mais recule encore. Voilà. Et la cata, la cata. Ok, c'était un gros bug, là Léona a été ici, mais c'est pas grave je pense. Là en fait, Léona a été ici pour s'échapper, elle est revenue en arrière et Kata a mis son premier... Enfin elle a fait un coup blanc, et elle l'a tué, donc voilà. Ensuite, nous regardons en direct, donc la suite, voilà, c'est fait. Toujours le 1-0, ça push beaucoup au top ça push. Ensuite, un peu dégoûté je pense. Haute qui vient de se faire des pop avec sa Léona. Et Climax qui est caché, qui se cache, il se met fufu pour que la Kata le capte pas. Ensuite, waouh, Néon Ski vient de prendre. Waouh, mais à 2v1, ils arrivent encore à se faire des pop. C'est un chêne, mais quand même quoi. Attention, la provoque de chêne, ça ira pas plus loin. Peut-être que, peut-être, bah, kill et non, pas un kill. C'est dommage, en bot, au bot, ça je cherche pas plus. Ah, attention, le Nasus qui vient. Je pense que Néon l'a vu, Néon l'a pas vu, Néon il fait... Néon AFK. N'importe quoi, mais il fout quoi. Non, il va le tuer. Et voilà, le premier kill de Nasus. Néon Trindamer vient de faire un kill et il part sur... Il le tue. Oui, doublé de... Oh là là, doublé de Néon qui était AFK. Et le Nasus est passé juste à côté ici. Il est passé juste là. Néon, il était ici. Il a rien capté. Au moment où Nasus était ici, Néon a commencé à bouger. Je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû être sur TS pour savoir. Mais c'est pas grave. Il était ici. Et là, c'était qui a fait le kill? Néon qui a fait double kill avec son Trindamer. C'est excellent. Mais je crois que c'est Nasus. Nasus a tué Sediatus. C'est très dommage de sa part quand même, il a pas pu s'échapper. Il a réussi à le silence mais ça a pas duré très longtemps. Et il s'est fait des pop par le Nasus. Ensuite le doublé, excellent et très très beau le doublé. Donc ça fait du 2-2. Ah il y a eu un... Ouais c'est vrai que c'était truc qui était mort. Donc ça fait 2-2, 6-9 à 6-8, allez 100 PO de différence, c'est vraiment pas grand chose. Ça... Ah, Climax qui est en train de prendre cher un petit peu. Ah, ça push beaucoup de du côté de l'équipe violet, du côté de la team Inertia. Gob qui commence un peu à faire chier l'équipe en face. Mais la Akali elle s'en fout un peu, elle fait attaquer, mais pas plus. Bon, on va un peu voir là. Ici, là, non. Bah non, il cherche pas. Il a acheté quoi comme équipement? Donc, il a acheté une épée longue et les bottes de vitesse d'attaque. Ok. Le Garen a acheté quoi? Les bottes, les premières bottes, les bottes de vitesse et un bouclier de Doran. Ouais, c'est un très bon choix aussi pour la résistance. Niveau creep, alors niveau creep au Cariadé. Le Cari Queen, elle a 16 et... Ah oui, 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 très bon, le haut de farm de la part de Gob. Énorme quand même, la Queen, elle farm même pas. Elle farme pas du tout, donc elle est quand même désavantagée. Gob qui a... Alors Gob, elle a... il a pas back encore. Et il a combien de PO? Gob a combien de PO? Gob, il a... Attendez. On regarde en même temps l'action. Hein. Alors Gob, il est où? Gob, il est là. Il est à... 1k3. Ok, 1k3. Et Queen, elle est à... 700. Ok, bon, elle va pas acheter grand chose. Ah oui, Queen, elle a quoi comme équipement? Ah, attention. Non, pas du tout. Bon, rien à foutre. Et voilà, ma mère qui est rentrée et qui est venue casser l'ambiance. Et la Queen qui a acheté l'épée longue et les bottes normales. Je pense que Gob va acheter directement la BF Glaive pour faire plus de dégâts. Comme d'habitude, c'est toujours l'item qui prend en premier. Attention. Attention. Le chêne qui utilise son ulti et ça ira pas plus loin, je pense. Si, ça ira peut-être plus loin. Un kill sur la Kata. Et Climax qui a jump sur la Kata et qui la dépop. Ensuite,
Le chêne qui s'échappe avec sa provoque. Et c'est Viatus qui cherche mais sert à rien. Sert à rien. Et Akali qui a ah dommage, vient juste de quitter. C'est pas grave. Akali, attention, peut-être doublé, peut-être un doublé. Qui sait? Peut-être un doublé. Et non, le chêne, c'est le chêne, c'est le chêne. Interruption de... Ah, il y a tellement d'action, il y a eu tellement d'action sur ce côté que... Qui s'est fait des pop. Attention, peut-être le Garen, peut-être. Et non, il s'est fait Brain. Il s'est fait Brain par le chêne. Si t'aurais eu saut éclair, là, t'aurais pu le dépop. Mais c'est fini pour toi, c'est Viatus. Tu viens de le rater. Dommage pour toi. Donc, il y a eu pas mal de kills, là. Il y a vraiment eu pas mal de kills. Donc, j'ai pas pu regarder tous les kills d'un coup. Je me suis un peu baladé pour regarder les actions. Et on va un peu regarder les kills. Donc 1-2 pour Nasus. Ensuite 3-1 pour Akali. Ça c'est très mauvais. Akali qui commence à se fider. Très 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 mauvais. Le 0-0-3 de Queen. Une carrière qui fait pas de kill. Ça c'est très mauvais. Un chêne qui fait un 2-1. 2-1. La Akali chez nous, c'est-à-dire Climax qui fait du 2-1 aussi, c'est pas mal, ça commence à un peu, il commence un peu à se feed. Ensuite Léona, bon Léona qui fait du 2-0, du 2-0. Ensuite le Garen qui fait du 0-1. Le Trindamer qui fait du 2-1 et Gob qui fait du 1-1. C'est il a peut-être déjà sa BF Glaive, comme j'avais dit, la BF Glaive et les bottes de vitesse d'attaque. Très bon pour de sa part. Très bien choisi de sa part pour faire plus de dégâts et bah, t'attaquer plus vite. Hein. Ensuite, nous, au mid, bon, ça cherche un petit peu, mais pas plus que ça. Au top, Seviatus qui campe un peu dans les herbes. Et ben Trindamer, ben, Trindamer qui fait le rouge. Qui fait le rouge, voilà, il l'a fait. Il va peut-être se balader. Aider copier. Attention, bot peut-être que peut-être un kill. Non, bah non, ça cherche pas plus. Cherche pas plus. Hein. Attention, Akali, Climax. Climax qui va peut-être engager pour faire des kills. Peut-être il va engager. Peut-être un team fight. Attention. Oui, c'est ça, oui. Akali ennemi. Et Climax là, des pop. Doublé de Climax, doublé de Climax. Et bah non, Akali, elle a été tuée par le piège de Caitlyn et Akali qui a fait un kill. Très bien de leur part. Il a bien bougé Climax pour faire ce kill. Et j'ai pas compris, mais le ça il faut voir là. Le chêne qui a tué le Garen. Regardez ça un peu plus en profondeur. Correctement. Donc on va voir l'action. Là au bot. Bah non, le bot je sais comment c'est passé. Mais le top, je veux bien voir le top. Parce que le néon qui se balade un peu dans la map. Mais non, mais je m'en fous. Voilà, le top. Voilà. Le chêne vs Garen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ok, c'est Viatus qui a pris super cher contre le chêne. Et là, il a pas pu s'échapper. La provoque. Et l'attaque de base qui le tue. Pauvre de lui. Et c'est reparti. On part sur un direct de nouveau. Voilà, donc il y a eu... pas plus, hein, il y a vraiment pas eu plus. Akali qui a tué chêne qu'on n'a pas pu voir. Et là le Nasus qui est au bot à la botlane. 3 vs 2. L'ulti de Léona qui se rate. Pas plus, c'est pas plus. Attention. Et autre qui s'est fait dépop par Queen. Horrible. 3 vs 2, il fallait pas engager. J'ai pas vu vraiment ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu un engagement de Léona ou même de l'équipe en face. Gob qui cherche un peu mais qui va back tout simplement parce que la tourelle du bot est morte. Bah elle est morte tout simplement aussi. Donc ensuite ça bouge pas trop. Le gars Seviatus qui touche la tourelle mais c'est tout. Bah il a juste touché un petit peu la tourelle. Au bot, la botlane, donc la botlane, il y a néon qui est venu aider Gob, mais ça ira pas plus loin. Ça ira pas plus loin, tant pis. C'est dommage. Ah, quoique, ça ira peut-être plus loin. Il y a Climax qui va. Ça sent l'engage. Le saut éclair fail par Climax. Oh là 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 là. Quel idiot. Fallait pas flash. Et là, il y a Néon qui est en train de se faire des pop. Attention, peut-être. Peut-être là, Akali va mourir. Peut-être, c'est pas sûr.
Pas sûr du tout. Attention, l'engage. Et le premier kill, le 2 Akali de Climax. Et peut-être le doublé de Climax. Oui, le doublé de Climax. Magnifique action de la part de Climax. Inertia. Belle. Attention, peut-être Néon. Peut-être. Ah non. Si, si, Néon. Néon. Et non, Akali avec un triplé. Parti sur un triplé. Et Queen qui a utilisé son ulti pour s'échapper plus vite. N'importe quoi. Au top, le chaîne des Garen, Sediatus qui prend toujours aussi cher face au chaîne. Et au bah il se passe plus rien maintenant. Ça a cherché un petit peu, mais ça ira pas plus loin. Niveau creep maintenant, on va regarder un peu les creeps de Queen. 40 et 71 de la part de Gob. Excellent, hein. 2-1 de la part de Gob et Queen, elle fait du 2-1 aussi. Donc le hot farm de Gob, ça c'est très 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 bon. Attention, Climax qui a vu le Nasus la suivre, qui va faire des pop, il va mourir. Climax est mort. Ah, peut-être que Néon va peut-être lui sauver la vie. Non, pas plus, c'est le Nasus qui est rentré dedans et qui a mis sa buveuse. Et alors un Nasus qui a tué la Akali, et la Akali qui a tué Néon, Trindamer, le pauvre, il a pris un peu cher. Ensuite, bon, ça va, il y a un petit gank, il va avoir un petit gank de la part de l'équipe bleue au top. Et la tourelle du mythe qui s'est fait, bah, qui est morte de la part par Kata. Par Kata. Nasus qui, bon, qui cherche pas plus, hein, il cherche pas plus, il a utilisé sa buveuse pour un peu blesser un petit sbire. Mais ça ira pas plus, attention. Le mid avec Queen et Kata qui push. Et le grab de Leona qui essaye la mort. Elle a pris super cher, Leona. Attention, Garen qui cherche, qui essaie de blesser l'équipe adverse. Mais ça continue à push sur la tourelle. Et Néon qui vient l'aider. Néon qui fait rien du tout. Et oh là là là, attention, Sediatus il s'échappe avec peu de vie. Combien il a tiré, combien 137 139. Ça ira pas plus loin, ça n'ira vraiment pas plus loin. 4 vs 2, en haut, la tourelle va descendre, la tourelle va mourir, ça c'est sûr et certain. Et le chêne qui va chercher, le chêne qui va peut-être engager sous tourelle. On sait pas du tout. Non, bah il va rien se passer en fait, rien du tout. Et Gob qui rejoint ses coéquipiers au top pour essayer de que la tourelle ne meure pas. Et ça ira pas plus loin. 4 vs 3 plutôt. Ouais, 4 vs 3. Et ça bouge pas du tout. Et la Akali au bot qui backdoor, qui push comme une salope. Vraiment vraiment con. Mais là il y a Sediatus qui bouge, qui va essayer de tuer Akali. Attention, peut-être un engage de Leona. Engage de Leona à lâcher son ulti. Et Leona qui s'est fait des pop. Gob qui a fait un kill sur Kata. Et Nasus qui a tué Trindamer. Et Climax qui a tué Nasus. Très bon petit team fight quand même. Il reste 2 contre 1. Et la Queen qui reste plus rien, qui a réussi à s'échapper. Oh là 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 là, des kills qui perdent. Ils perdent beaucoup de kills quand même. Et Gob qui push la tourelle. Très très bon. Attention, la tourelle qui tombe, la tourelle qui va tomber. Et le saut éclair de Akali pour s'échapper. Mais il y a eu quand même Sediatus qui a pris super cher. Et Gob qui a détruit la tourelle du top adverse. C'est très très bien joué quand même, faut le dire, c'est vraiment très bien joué. Il y a Néon qui va, ça sent que ça va chercher le kill. Néon cherche le kill, elle a quoi comme item, elle a son revolver, donc elle régène un peu. Le Néon qui va rentrer dedans et qui va le tuer. Et oui, Néon qui a tué Akali, qui a cherché surtout le kill. Néon a cherché surtout le kill, incroyable de sa part quand même. Bon, ça fait un kill gratuit quand même. Donc 13-14, ils ont rattrapé, pas en gold, mais ils ont rattrapé niveau kill, ils ont rattrapé. Je pense que les creeps côté Gob, 102 pour ça, pour lui, c'est très très bon, hein. Très bon. Et la Queen qui part sur 52 creeps.
What the fuck? Elle sait vraiment pas crime du tout. Et Gob qui part sur du 3-1 et la Queen qui part sur du 2-1. La tourelle du top qui a été descendue par le Nasus, qui a été finie surtout par le Nasus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont 3 vs 2 là. De toute façon, on l'engage. Pas de la Léona si elle rate pas. Si elle rate pas, elle a lâché son ulti. Fail, fail. Le grab qui passe, la grab de Léona. Et Gob qui ramasse le kill avec son premier sort. Et non, c'est son deuxième sort. Non, c'est son premier sort, exact. Son premier sort. Très bon choix aussi. Et super beau kill quand même, faut dire. Il faut jouer en team. Enfin, il faut jouer en team. Hein. Il faut pas être en 1v1. Hein. Les gens qui ragent 3v2 noob ou 3v1 noob, c'est un jeu de team, hein, lol. Hein. Je sais pas pourquoi il rage. Hein. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer là? Peut-être un engagement de chaîne, peut-être. Et il y a un petit troll de la part de Kata et Akali. Et chaîne qui est rentré dedans et qui a raté sa provoque. Qui a raté sa provoque. Mais c'est pas grave, ils peuvent push là. Hein. Ils peuvent vraiment push. Donc le piège, Nasus qui rentre dedans comme un gros con, et je pense qu'il a fait exprès, hein. Mais il prend super cher. Gob qui fait des dégâts quand même, faut dire. Gob fait quand même des dégâts, il part sur du 4-1. Magnifique, la soif de sang et le zèle. Le zèle et le truc de critique, la cape d'agilité. Et un petit teamfight, qui va pas plus loin. Non, c'était juste titiller un petit peu l'équipe adverse. Et la Kata qui va récupérer le bleu. Ça sera rien pour elle, mais bon. Cooldown les sorts peut-être. Attention, attention, peut-être le KS. Et non, la Kata qui a récupéré. Et c'est Viatus qui a fait un kill. Néon qui cherche pas plus. L'ulti de Shen. Et dommage, c'est dommage de sa part. Et bien joué de la part de Gob. Gob qui a lâché son ulti et qui... Et Akali, bah Akali qui tue Queen. Ensuite ça cherche peut-être. Et doublé d'Akali sur le Nasus. Et là ils vont lancer le premier Drake. Peut-être le deuxième, je suis pas sûr. Et ils ont rattrapé niveau kill et niveau gold. Excellent de leur part. Des petits teamfights pas tentés réellement. Hein. Ils ont pas vraiment cherché ce petit teamfight. Mais ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné, c'est excellent de leur part. Là Akali au bot qui push. Il faudrait voir d'un petit peu quand même un peu plus l'équipe violette. Oui, l'équipe bleue, on n'en parle pas. Il n'y a aucune ward. Il y a zéro ward. Il y a l'équipe violette. Il y a la ward au Drake qui a été fait. Et la ward ici dans ce bush. Pour voir le jungle. Mais pas plus. Et si, ici aussi. Là aussi. Non, ça c'est l'équipe bleue par contre. Non, c'est l'équipe violette. Je me suis trompé, désolé. Et c'est très... Il y a... pas mal, il y a pas mal d'action quand même sur cette partie. La Baklima qui push, qui dépush plutôt, qui essaie de pousser sa lane quand même. Et ben ça back un peu, ça back un petit peu. Pas trop d'action en ce moment là, pas vraiment, pas vraiment. Et Gob qui fait un peu chier l'équipe adverse avec son premier sort. Et Gob qui fait super mal sur la Kata. Incroyable. Et là il y a Néon qui engage peut-être. Peut-être Climax qui va jump, il va pas chercher, la tourelle elle est encore là. La tourelle du mid, donc je pense pas qu'ils vont chercher. Mais la Kata qui backdoor, qui va péter la tourelle et la tourelle est finie. La tourelle, goodbye. Et voilà, la tourelle du bot, la deuxième tourelle du bot qui est finie. Et maintenant, comme tout team se respecte, 1v5. Et non, ils ont fail sur ce coup. Salut, je m'appelle Akali et je me suis échappé. Vraiment dommage de leur part, vraiment vraiment dommage. Je sais pas où ils vont, je sais pas ce qu'ils cherchent là, je sais pas du tout. Ils vont au mid. 3. Il y a Nasus, Shen et Queen. Le Tryndamere, Néon qui va rien faire du tout, qui peut pas protéger, qui va peut-être engager le team fight. Oui, c'est ça. Pff, fail de la part de Léona. Gros fail. Et ben Gob qui cherche un peu. Et le Nasus qui va mourir. Le Nasus qui est mort par Karen. Et ça va pas chercher plus. Non, bah tant pis. Ah si, si ça cherche sur la Kata. Ils essayent de partir. Mais peut-être Néon. Non, Néon Gob. Pardon.
Gab qui va essayer de la tuer. Va s'échapper. Que dalle. Elle va essayer de s'exécuter, je pense. Akali, non. Juju qui rentre dedans et qui récupère le kill. Très bien fait de sa part. Pas une exécution, mais un kill. Donc ça fait des PO. Très très bon de sa part. Très bonne action. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien là actuellement. On va regarder un peu les creeps là. La queen, elle sait vraiment pas farm. Elle a du 66 creeps. Et ben notre cariadé, magnifique gobnet qui fait du 146 creeps avec 5-1. Très il a très bien joué sur ce coup. Juju Climax qui est pareil mais qui a 11 kills. Attention, action omise. Nasus qui tue le Trindamer. Et ça n'ira pas plus loin. Si Gob qui tue la Akali. Et Climax qui je sais pas ce qu'il cherche. Climax peut-être sur le chêne. Non, peut-être sur le Nasus alors. Peut-être que. Oui le Nasus. Oui. Et voilà. Climax qui a tué le Nasus. Ça fait un doublé, je crois, de sa part, hein, si je me trompe pas. Et la DAC qui a fait un truc très bizarre. Peut-être que. Non. Et Climax qui a cherché. Qui est pas mort. Qui est pas mort. Grâce à son saut éclair. Mais il a failli faire des pop par la tourelle. Ça fait 24 minutes, il y a 15-23. Très bon, très bien. Et Gob qui... le grab de Leona qui fail. J'y crois pas, je crois qu'elle en a mis combien Je sais pas compter, mais elle en a mis pas beaucoup. Hein. Elle en a fail beaucoup plus que ce qu'elle a mis. La Queen qui cherche un peu. Et la Leona qui rentre dedans comme une sale folle. Et là, et Juju... Climax qui prend le kill. Et Kata qui a tué Leona. Kata qui a tué Leona. Très bien de sa part. Hein. Leona est très squishy quand même pour ce support. Comme support, elle est très squishy. Hein. Elle a peut-être pas l'équiper correctement, je sais pas. Je sais pas du tout. Néon qui a fait. Néon qui a fait leur rouge. C'est pas gêné du tout. Et je pense que Néon va être une Akali. Peut-être. Peut-être que. Et peut-être. Akali qui part et Néon qui part de son côté. Néon qui va se faire suivre par un Nasus et par un chêne. Il va se faire chercher. Non, il va pas chercher. Il va pas se faire chercher du tout. Ils vont push la lane ensemble et il va récupérer le bal bleu. Il va récupérer les loups. Voilà, il prend les loups. Quelle action de Néon qui tue les loups et qui a tué le grand loup. Qui a pris un peu de régène grâce au grand loup. Et là, du 4v3 qui va pas tarder à venir. Attention de leur part. Un engagement de la team, un engagement. Le néon qui prend, qui va tuer le... Ouais, il vient de se faire. Et Juju qui ramasse encore le kill. J'y crois pas. Le chêne qui utilise sa TP pour aller vers Queen. Et la Akali, Akali qui... qui est morte. Tout simplement hein. Elle est morte tout simplement. Akali va récupérer. Ah non, c'est Néon qui a récupéré. C'est pas Juju cette fois, c'est Néon. Très bien de sa part hein. 4v ou même 5v1, il pouvait rien faire du tout le pauvre. C'était horrible. Ils vont aller sur le Drake. Ils vont se faire le Drake ou pas? Ils vont se faire le Drake. Ça fait leur deuxième Drake exactement de la partie. Ils ont 2-4 différences avec eux et ils ont du 26-16. Attention, ils ont fait le Drake. Gob, il a tué le Drake. Et Climax qui se cache dans sa petite flaque invisible. Et ça n'ira pas plus loin. Là, ça troll, ça fait n'importe quoi. C'est vraiment des cons. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Léona qui... Et Néon qui a mis une CC et qui a tué Nasus, qui l'a fini. Ils ont tué la première tourelle. Néon qui met du CC, il met du 1000 en CC. Ça va faire super mal en teamfight ça. Et ils ont tué la première tourelle du mid. La provoque de chaîne. Et voilà. L'équipe violette qui a fait une victoire par surend. J'y crois pas, c'est incroyable quand même. Très bon... Très bonne partie de la part de
de l'équipe Inertia et je vais vous laisser ici et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao!